Bonsoir Atik, bonsoir Cadmeral, bienvenue sur le plateau de quotidien, comment allez-vous? Bienvenue à tous les deux, qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai eu un petit truc, comme j'ai gardé mon faux ventre du tournage, j'ai pas eu le temps de l'enlever. Je suis désolé. Bah enlevez-le. Ça va bien? Je peux l'enlever là? Allez-y, on vous attend. C'est des scratchs. Attends, et pour le son, ça va pas marcher pour le son. Vous êtes sûr? Ouais, c'est des scratchs. Non, mais cherchez pas, c'est des scratchs. Voilà ce que c'est que de tourner une série avec Cadmeral. Alors, Midi, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va bien? Avec ce faux ventre. Ah, ça va, tout va bien. Bon. Attends, je vais baisser un peu le siège. Non, je sais pas. Ça va? Bien. Et on ne s'est pas du tout téléphoné pour les couleurs, les teintes. Vous avez vu? C'est très bien, vous êtes bien. En harmonie. Ça match. Vous êtes impeccable. Bienvenue à tous les deux. Voici une partie d'équipe et de public. Atik, la star d'Anthracite, le mystère de la secte des écrins. Nouvelle série de Netflix qui a été conçue pour faire peur et pour cartonner. Cadmeral, homme mystérieux de cette série. Avant d'en parler, Split, Star by Star, Atik par Cad et Cad par Atik. Qui commence? Cad, sur Atik, la définition. Il est... Et Atik, il est... Non, je ne vais pas faire de... Il est atypique. Il est atypique, vraiment. Il a une façon de se déplacer, de jouer... De ressentir, d'exprimer, qui est un peu hors du commun, je trouve. Et ça correspond très, très bien au personnage. Bon, c'est un acteur, donc il a interprété un personnage. Moi, je ne le connais pas beaucoup en dehors, parce que c'est vrai qu'on ne s'est pas beaucoup vu, mais non. Je trouve qu'il a quelque chose de curieux, mais ça sert vraiment le personnage et la série, je trouve. Voilà. Et Cad, par Atik, si Cadmeral était dans le dictionnaire, 2 points, Cadmeral, 2 points. Cadmeral, le tonton le plus cool de la famille. Ok. Car c'est votre tonton dans la série. Et c'est mon tonton, mais il n'est pas trop cool dans la série. Ah bah attends, ne raconte pas tout quand même. Mais les gens ont tous déjà vu, là, hein, de toute façon. C'est vrai. Non, ouais. je suis un éleveur. Non, on peut dire quoi? Parce que moi, je veux pas dire de conneries. Je veux pas dire grand-chose. Je veux pas... Pour pas spoiler les gens. Bah oui. C'est très réussi, c'est très, très prenant. Oui, bah oui. Sur l'histoire, Cad. L'histoire, fou la vache, le pitch le plus compliqué à faire de la Terre. En gros, il y a un meurtre qui réveille une vieille histoire de secte dans un village. Et cette histoire de secte est liée à l'histoire familiale du personnage de Jaro que j'interprète et aussi à la vie de mon oncle que Cad interprète. Ok. Voilà. Ça vous va, Cad? Très bien. Ok. Très c'est une fiction inspirée par le suicide des adeptes de l'ordre du Temple solaire. C'était dans les années 90, je crois. C'est ça, hein? Regarde. 93? Tu t'en souviens pas? Si, mais alors daté, non. Ah, c'est ça. C'est réalisé par... Pardon. Le suicide collectif de 48 membres de la secte de l'ordre du Temple solaire. 48 cadavres découverts, vous le savez, dans 2 villages suisses. 16 personnes disparues depuis une semaine. 16 nouvelles victimes de l'ordre du Temple solaire. Les corps n'ont pas encore été touchés. Ils se trouvent toujours dans la position que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire en forme de soleil. Disposés en fait en étoile, un sac poubelle sur la tête, ils pensaient s'embarquer pour une nouvelle vie. Toutes les victimes, dont 3 enfants, ont reçu une ou plusieurs balles dans la tête. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Alors moi, je peux pas m'en souvenir. Non. Et pourquoi? Et pourquoi par rapport à moi? Est-ce que vous êtes replongé du coup dans ça? Jean-Michel, vous oui, je me souviens, oui, du fait divers. Mais... Et vous, Cad? Non, je me souviens vaguement aussi. C'était en quelle année? J'ai même pas écouté. 94. 94, j'avais 8 ans. Et demi. Ça va vite. Hein. Est-ce que la réalisatrice vous a parlé de ça? Le réalisateur. Julius, pardon. Berg. D'ailleurs, je voulais justement saluer le travail de Julius parce que c'est un grand metteur en scène. Voilà. Non, il nous a pas parlé de ça. Non, pas trop. Et toi? Non. Après, moi, je suis pas fan de tous les trucs de secte, donc j'ai pas voulu forcément me plonger dedans. Ça tombe mal. En fait, ça me dérange pas de les jouer, quoi. C'est comme les films d'horreur. J'aime pas les regarder, mais je peux en jouer. Donc voilà. Mais c'était intéressant de quand même découvrir 2-3 trucs sur les sectes. Votre sœur est morte dans l'histoire de la secte, c'est ça? Ma mère. Oui, mais la sœur de Cad. Oui, ma sœur. Ah oui. C'est ça? Oui. C'est ça? Oui, là on peut dire. On peut dire ou pas? Oui, ça on peut. Oui, disons. Parce que le truc, c'est que je sais pas ce que je peux dire. Mais nous non plus, figure-toi. Donc je voulais... Non, on nous a pas briefé, donc à tout moment on peut verser la fin comme ça sans malentendu. Vous n'avez pas été briefé pour faire la promo? Si, mais pas sur ce qu'on doit dire. Je suis un rebelle, je suis un déglingo, mon mot. Oui. Netflix, il vous laisse comme ça.
Mais le problème des séries, évidemment, c'est qu'il y a, forcément des cliffs, on a envie d'aller jusqu'au bout, et c'est vrai qu'on ne peut pas trop dévoiler, je crois qu'il faut juste lancer le truc, mais comme il a très bien fait d'ailleurs. En fait, il faut juste se dire, à chaque fin d'épisode, il y a un truc qui fait que forcément on va vouloir regarder l'épisode d'après, même si on est fatigué, on a un truc à faire. Le cliff, Voilà. Cliffhanger. C'est quoi le web sleuthing? Ah. C'est une enquête participative sur Internet, de manière bénévole. C'est des gens qui se mettent sur un forum et qui vont résoudre une enquête, un mystère, quelque chose. Madame Michel a perdu son chat. En quelle année? Elle crie par la fenêtre, qui le lui rendra, voilà. Et c'est le personnage d'Ida. Ouais, c'est ça, qui fait du web sleuthing, exactement. Exactement. Est-ce que vous avez aimé tourner à la montagne? Parce que je crois qu'Attic, vous avez dit, c'est vrai que 3 mois à Grenoble, il faut être prêt. Oui, après, c'est... Il y a des gens qui habitent à Grenoble. Oui, il y a des gens qui habitent à Grenoble, mais ces gens-là, comme ils ont grandi à Grenoble, peut-être que si on leur dit 3 mois dans le 75 ou le 93, ils ne seront pas prêts non plus. Oh, bien répondu. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ouais, après, non, c'est vraiment juste le fait de se lever tous les matins. Ouais, se lever tous les matins pour aller dans la pampa. mais la pampa bien froide, jusqu'à très tard le soir des fois, c'est compliqué. Mais enfin, c'est compliqué en même temps, on fait un super beau métier, donc on s'y habitue très vite. Mais voilà, ça fait des petites journées un peu sportives des fois. Kad, il y a quelques jours, vous êtes entré dans la soixantaine, comment ça se passe? Écoutez... D'abord, ça va, je tourne en ce moment avec Costa Gavras, donc déjà, j'ai attendu 60 ans. C'était pas ma question. Non, mais j'avais envie de... Non, mais il y a un âge pour tourner avec Costa Gavras. Voilà, c'est 60 ans. Non, ça se passe bien, ça se passe très bien. Et rien ne change. Non. À part ces questions à la con. Non, rien ne change, en fait. Non, mais par exemple, vous avez une ferme. J'ai une ferme, oui, Et vous voulez en faire une exploitation? Ça peut prendre du temps. Hein, allez-y, parlez-en un peu. Non, mais ce qui est assez fou, c'est que dans la série, parce qu'il faut quand même ramener la raison pour laquelle on est là, dans la série, je suis éleveur. Oui. Et d'ailleurs, j'ai appris, notamment à agneler, par exemple, comment faire naître un agneau. D'ailleurs, tu te rappelles comment tu étais à l'aise avec l'agneau? Ça, on peut le dire. Ah ouais, j'étais pas hyper à l'aise de fou. Vraiment, j'avais vraiment un agneau, mais genre vraiment un petit alors agneau. Alors que Kad... Vous êtes à l'aise avec les agneaux? Oui, je suis à l'aise. Je suis à l'aise avec les animaux en général, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que j'avais un vieux rêve dans la vie, voilà, que j'ai pu exaucer il y a 2 ans, en achetant effectivement une exploitation, une ferme, en Bourgogne, voilà, notamment. Et j'ai quelques terres, donc il va falloir que je les exploite. Et j'ai prévu de faire de l'élevage. Alors élevage de quoi, d'agneaux? Peut-être du mouton, mais je me suis tourné vers l'alpaga. Ne rigolez pas. Mais non! C'est de l'alpaga. Non, non. L'alpaga, parce que j'ai peut-être envie de faire, de travailler, peut-être la laine, je ne sais pas encore. J'ai plein de projets. Vous savez, quand on a cette terre, on se dit qu'est-ce qu'on fait. D'abord, je travaille avec des agriculteurs de la région qui me donnent des conseils. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Ce qui marche très bien, je suis dans le charolais, donc c'est la vache, la charolaise. Pourquoi pas? J'en ai sur mes terres actuellement, mais ce ne sont pas les miennes. C'est du taf, hein? C'est du travail, ouais, ouais. Mais oui, mais en même temps, c'est un vrai. Pour moi, c'est un vrai. C'était un rêve. Oui, c'est un rêve. Ouais. Ah, mais moi, j'ai grandi dans la Loire, en fait. J'ai grandi déjà au milieu des terres et de l'agriculture, donc je connais très bien. Je vis à Paris, je suis très bien à Paris. Je travaille aussi un peu partout dans le monde. Et j'aime l'idée d'avoir quelques terres à moi, voilà, ça me plaît. Et c'est tout à fait. C'est très simple, hein. C'est beaucoup de travail, mais bien organisé, on va y arriver. Je ne suis pas tout seul. Attic, c'est quoi la vie de Tyler? La vie de Tyler, c'est mon nouveau projet qui vient de sortir il y a 2 semaines. C'est un... Ne soyez pas timide. Hein. C'est un... Non, je ne suis pas timide. En fait, c'est un album qui est dans l'esprit le plus instinctif qui soit. J'avais envie de faire de la musique très rap, sans calcul de chiffres. Parce qu'on parle beaucoup de musique aujourd'hui en accompagnant sur... la notion de business et combien t'as vendu et combien t'as fait en première semaine, en midweek et machin truc. Il n'y a que des ingénieurs qui calculent les chiffres, etc. Mais on parle de musique. Je voulais juste faire la musique que j'avais envie de faire. Et donc j'ai fait un album de 20 titres qui est sorti il y a 2 semaines. On regarde un extrait. Allons. The Jungle. Fais le chat, je fais du cuss. Y'a ta tête dans la cible. Toi, tu m'as pris pour un petit rappeur. Viens là, je vais t'apprendre la vie. Fais mon shadow, je fais du cuss.
Y'a ta tête dans la cible. Toi tu m'as pris pour un petit rappeur. Viens là, je vais t'apprendre la vie. Vous avez aussi annoncé une série de concerts pour lesquels vous conseillez de venir en survette. Comment ? Vous avez annoncé une série de concerts pour lesquels vous avez conseillé de venir en survette. Oui, en fait, j'ai un souci qui est en même temps un luxe, c'est que j'ai un peu deux publics. J'ai un public très rap, qui n'aime pas trop quand je chante. Et j'ai un public qui aime quand je chante, mais quand je rappe, ils me disent « c'est un peu vulgaire, ce que t'as fait ?» Donc pour contenter les deux, je me suis dit « je vais pas les faire venir dans un concert où, à un moment donné, ils peuvent me regarder comme ça en me disant « ça me fait chier, j'aime pas ce son-là ». Donc le vendredi, ce sera le concert full rap pour les gens qui veulent que du rap. Venez en jogging, c'est la bagarre. Et le samedi, venez en famille de 7 à 77 ans et on va chanter, danser, s'amuser et faire tous les selfies qu'on veut à la fin. Et il y a les dates, on a vu les dates, je crois. Il n'y a pas que Attic qui chante, il y a Cadmerab aussi qui chante. Oui. Oui, oui, bah oui. Vous arrêtez jamais, en fait. Non, mais c'était pour une bonne cause. Attends, j'étais géré au Club Med, les enfants. Hein. Mais c'est super. Ah, c'était pour une association, pour une vente aux enchères, une association pour premier de cordée, notamment. Voilà, donc j'ai rien acheté, mais j'ai chanté, voilà. J'ai plus d'oseille, par contre j'ai toujours de la voix. Vous voulez que je vous fasse un extrait ? Allez-y. Il y avait aussi... vous le proposez, donc évidemment. Non, je préfère vous parler de mes vaches, de mes moutons, et de des agriculteurs. Non, c'est pas vrai. Non, et d'anthracite. Comment ? Et d'anthracite, bien sûr.